Yo les amis, bonjour, bonsoir à tous et bienvenue à l'épisode 3 de Medieval Dynasty dans la vallée de Oxbow. Mais avant toute chose les amis, je vous souhaite une très très bonne et heureuse année 2024. Plein de bonne santé, de joie de vivre, beaucoup de bonheur et de prospérité. Et beaucoup de gameplay aussi pour vous. J'ai décidé de faire beaucoup de jeux cette année pour vous. Il y aura du sans commentaire et il y aura aussi du avec commentaire. J'espère que ça vous plaira. Il y aura aussi du zombie, certainement du foot. Il y aura aussi des jeux de fighter, fighting comme les jeux de combat en 2D. Il y aura aussi des jeux de sport. Quoi d'autre? Les échecs, le poker aussi. J'espère que ça va vous plaire. Dites-le moi en commentaire. Voilà les amis, c'est parti, épisode 3, Medieval Dynasty, encore une fois, bonne et heureuse année à tous. Et c'est parti, promis, il y aura beaucoup de jeux cette année, en tout genre. Ok les amis, bisous à tous et à tout de suite. Ok les amis, bienvenue à la suite de Medieval Dynasty. Dans cet épisode, nous allons construire, sachant que je viens juste de farmer, de couper les arbres qui sont ici là, et je viens aussi de récolter beaucoup de paille. Donc là, on va pouvoir commencer la construction. Je vais commencer par le champ peut-être, parce que le terrain il est un petit peu tordu. Du coup, je n'arrive pas du tout à rendre quelque chose de droit et joli. Vous allez voir, regardez, par exemple, je pose ici. Et j'essaye, par exemple, voilà, ça part en biais comme ça. Du coup, c'est pas du tout droit avec la route, c'est vraiment énervant, très énervant. Bon, tant pis, je vais construire peut-être d'abord la maison. Et donc, je vais essayer de trouver la limite par rapport à mon droit sur le village. Voilà, c'est à partir de là que je peux commencer le premier bâtiment. Mais par contre, par rapport à la route, comme ce n'est pas droit, le champ va être complètement en biais. Donc on va faire par rapport au champ, tant pis, c'est vraiment très moche. On va commencer avec ça et on va tirer par là. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, 2... 3, 4, 5, 6 et 7. Ça y est, je m'en souviens. J'ai regardé par rapport au succès. C'était au-delà de 6 pour obtenir un succès. Donc là, je suis au-delà de 7. Normalement, je suis à 6. Gestion, champ. Je clique dessus, double-clic, et regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, voilà. Voilà mon premier champ, on va le faire à cette hauteur-là. Et les maisons, on construira après. On n'est pas du tout obligé de faire les maisons. Le plus important, c'est ça. Comme je vous l'ai dit, ça passe très vite le temps. Malgré tout, depuis le premier épisode jusque-là. Ça nous fait déjà presque 30 jours alors que c'est censé rallonger au moins 6 fois. Et bah c'est pas du tout le cas. Attends, je vais fabriquer. Là comme le terrain il est très grand, je vais en fabriquer au moins 5. Et on va planter les choux directement dedans. J'espère qu'il n'est pas encore 3-4 heures parce que s'il est 3-4 heures, on va devoir y remédier, d'aller acheter immédiatement les graines parce que j'ai pas l'impression que j'ai suffisamment de graines pour faire ce terrain. Voilà, la houe en bois, on va la placer en 6 et on va travailler. Par contre, je sais pas du tout si je vais couper. Alors on va essayer de faire vite mais c'est pas facile hein. C'est sa vitesse, on peut pas aller au-delà, c'est comme pour couper le bois. Je me demande si je vais couper cette partie, ça, c'est des temps quand même, non? De voir et d'entendre les bruits du labeur. Allez, qu'est-ce que tu fais?
Ouais, ça fait. C'est grand, hein? Dans celui-là, on va mettre que des. Alors, 7 x 7, ça fait 49. Du coup, j'ai pas assez de graines de choux. Va falloir en racheter. Pourquoi je peux pas. Ah, si. Ok, ça m'a coûté à peu près 2 ou. Pour travailler ce champ. Voilà, j'ai fait ce fini. Ah, j'ai complètement oublié, les amis. Regardez. Donc, pour débloquer le bâtiment d'entrepôt de nourriture, c'est justement, c'est en labourant le sol là, comme ça, en travaillant, c'est comme ça que ça augmente. Et vous allez voir que pour le deuxième bâtiment, ça va être pareil. Par exemple, là, je vais là, comme on vient de dépasser le premier, le deuxième, c'est pareil. Chaque geste que je fais pour cultiver tout ce qui est en rapport avec la nourriture et en agriculture, eh ben, ça va augmenter les compétences dans l'entrepôt de nourriture. Qu'est-ce que je peux, bah, malheureusement. Ah, bah tiens, un exemple. Je pense que en utilisant le sac pour mettre l'engrais là, je pense que ça va le faire. Attends, on va augmenter un peu les compétences. Donc ici, j'ai pas besoin de gagner en compétences. Par contre, j'ai besoin de me déplacer un peu plus vite. Et ici, on va dire qu'on veut cuire rapidement. Allez, hop, voilà. Donc là, je vais prendre mon sac dans la main. Voilà. Et j'en ai que 3 seulement, c'est pas beaucoup. Et regardez, les amis, normalement. Donc on était à 17 de points. À 17 points ici. On va voir si ça va augmenter. Normalement, c'est tout ce qui est en rapport avec l'agriculture. Où est l'engrais? L'engrais, l'engrais. L'engrais, c'est là. Allez, c'est parti. Allez. Et voilà. Et de 2. Et de 3. Et on va jeter un œil. Voilà. Alors, est-ce que c'est un rapport avec tout ce qui est l'agriculture? Ah, voilà. Donc, ça augmente pas très vite, mais on est passé de 17 à 18. Ok? Donc, voilà. C'est ça que je voulais vous dire. J'ai complètement oublié de vous le dire avant de cultiver le sol. À la fin de ça, on va voir ensemble. Normalement, ça augmente un peu plus de compétences. Et normalement aussi, quand vous allez récolter après la saison, là aussi, ça augmente considérablement les compétences. Les compétences de du bâtiment. Eh ben, Lyon, c'est long, hein. Normalement, je suis en train de me salir, hein. Ah, il y a aussi un succès Steam. Si vous vous laissez salir sans toucher à l'eau, si vous vous laissez vous salir à 100%, eh ben là aussi vous aurez un succès Steam. C'est intéressant quand même, non? Un peu bizarroïde, mais bon, quelle idée. Bon, j'en suis à combien là? C'est un peu long, hein. Alors 7 x 7, 49. Donc là, j'ai pas assez de graines de chou. Il faut que j'aille en chercher. Le chou, je vous rappelle, le chou, c'est ce qu'il nous rapporte le plus. Le plus facile à planter, surtout en deux saisons de l'année. Vous pouvez le planter à deux saisons. Donc, dès qu'on aura récolté la première récolte, on aura aussi un retour de graines de chou. Et ainsi, on pourra en replanter d'autres. Ce qui veut dire que à partir du moment où on a
planter une première fois, on n'a plus du tout besoin d'acheter de graines. D'où l'intérêt d'investir. Bah là, j'ai beaucoup d'argent, donc je me permets d'investir beaucoup comme ça. Mais dans la première partie, en 2019, dans la vallée, j'ai acheté seulement que 6 graines par-ci, 6 graines par-là. Et petit à petit, j'ai développé. Voilà, ok, ça y est, c'est déjà le soir. On va d'abord aller chercher, on jette un petit coup d'œil d'abord aux graines. Normalement, j'ai beaucoup d'argent et je pense que je vais en acheter d'autres. Graines. Qu'est-ce que je regarde? C'est pas là. C'est pas là non plus, c'est là. Alors, les graines de choux, j'en ai seulement que 25. 7 x 7, 49. Il en faut encore 24. Et bon bah voilà, on va compléter le tout. On va acheter encore davantage d'engrais. Un peu de dépenses, ça fera pas de mal. Ça y est, je me suis sali les amis. Donc je vais exprès de garder sale. Attends, je vais boire un coup pour voir si je me lave. Est-ce que en buvant je me lave? Ne me lavez pas s'il vous plaît. Voilà, je vous ai rien demandé. Ne me lavez pas, merci. On va recalculer une fois qu'on sera devant le commerçant pour acheter tout. Donc on en était à 4005, hein, n'est-ce pas? 4005 puisque il y avait 4003 plus 200 que j'ai vendu quelque chose comme ça à la fin de l'épisode. Alors les graines c'est où? Qui est le vendeur de graines? C'est lui. Salut. C'est lui, c'est pas lui? Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Alors, est-ce qu'il est planqué, là? Ah, tiens. Attendez, on va vérifier ensemble après. C'est qui, lui? Yo. Ah, c'est lui. Génial. Voilà. Alors, on a 51 engrais. Maintenant, on va faire des champs, des petits champs de 25. Donc, 25-25, ça fait... 50 et là il manque 24. Ah, il en a plus que 22. Bah tant pis, c'est pas grave. Ok, bah tant pis. Ok, alors on va aller chercher. On avait dit 24 choux. Voilà pour faire 49. Et carottes, j'en ai combien moi? Carottes, j'en ai 29. C'est pas la peine d'acheter. Bah on est bon hein. Betterave, c'est bon. On va faire que des petits terrains. Donc là il me faut 75. Mais je n'en ai plus. Et bah c'est pas grave. On va prioriser le lin en premier. Je crois que je suis bon hein, je peux partir. J'ai pris tout l'engrais. Je sais pas. Normalement, c'est dans la prochaine saison. Et on va jeter un petit coup d'œil ensemble, justement, par rapport à ce qu'on a cultivé. Là, ici, ça a augmenté. Voilà, on est passé de 17 à 35 points d'agriculture. Donc, plus on en fait, bah, plus on en gagne. Hein. Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un? On n'est pas encore passé à l'hiver. J'ai encore suffisamment d'argent. Allez, on va retravailler encore. C'est où, là? On va retravailler encore. J'ai un petit peu faim. Attendez, on va manger un bout. On s'en sort plutôt bien pour l'instant. Ah, j'ai oublié de vendre la viande. J'en ai trop sur moi là. Si on passe à l'autre saison, je risque de perdre de sa valeur. Attends, je vais vendre. Je vais vendre. Et avant de vendre, je vais cuire. Voilà. Alors, viande grillée, viande salée, je vais pas le vendre. Je vais vendre tout ça. Voilà. Et là, je pense qu'on en aura pour 500 à peu près. Donc, 4000...
4003 plus 200, ça fait 4005. 4005, ça fait déjà 5000. Et encore, on n'a pas trouvé... pardon, excusez-moi, je m'excuse. Ah, j'aurais pas dû faire ça. Normalement, je devrais pas dépenser... l'usure de ça pour un pigeon. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Bon. T'as de l'argent, toi ? Oh, il a beaucoup d'argent. Allez, c'est parti. Alors, on va voir combien ça coûte la viande à la vente. 4 seulement. Bon, bah, ça fera 400. 400 et 4005, ça fait 4009. Nous approchons des 5000. Ah, j'aurais dû faire cuire un morceau de viande salée pour voir la différence de prix. Peut-être qu'on va aller voir. Hein. Allez, on vend tout. Voilà, là on n'est pas loin des 5000. Encore quelques petites choses. Là par exemple, si je vends le vin de cerise, là ça y est. Voilà, là on a atteint les 5000 On a atteint les 5000. Hein. Voilà, donc en faisant. Sans construire, sans avoir de champ, sans avoir fabriqué tout ça. J'ai déjà de l'argent, j'ai pas de maison et j'ai déjà les 5000, vous voyez. Donc là je suis à l'aise, à tout moment je pourrais acheter des vêtements. C'est vraiment très important, j'y tiens beaucoup à vous le dire et le redire. Parce que j'étais coincé dans mon bâtiment comme un âne et je n'ai rien pu faire. Ah ça y est, c'est bientôt la prochaine saison. Néanmoins, j'aurais peut-être fait deux champs, même si j'ai pas fait de construction de maison. Allez, on va se dépêcher. On va se dépêcher. Allez, c'est parti. Les graines de choux, c'est par où? C'est par là. Allez, go. Comment ça? Oh non, il faut labourer encore. C'est pas vrai. Oh là là. Oh, le temps qu'on perd. Normalement, il me reste encore une nuit. Mais vous voyez, hein, je vous l'avais dit, 30 jours... c'est comme si c'était 6 jours et demi à peine. Ça n'a rien changé finalement. À moins que, je sais pas, on peut pas faire le truc en dehors du jeu. Maintenant c'est dans le jeu. Donc logiquement ça doit prendre en compte. Bah si, la preuve, pour les autres éléments ça prend en compte. Et bizarrement les 30 jours, bah, ça l'a pas fait. Voilà. Vite, 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 c'est bientôt la nuit. Ah, tout ça pour un franchement, j'aurais pas dû, hein. J'aurais peut-être dû le faire un peu plus tard. Tout ça pour un succès, du coup, je me suis coincé avec ça. Alors que j'aurais pu planter autre chose. Le printemps, j'aurais pu planter du lin aussi. Comme ça, j'aurais récolté tout de suite du lin. Et en fabriquer de plein de choses avec. Des vêtements ou des armes. Quel crétin. Aïe, aïe, aïe. Il va jouer. On s'en fout. Laissez-moi tranquille. Je suis pressé. Quoi? Ouh là là. Ah, vous avez vu, hein. J'avais fait 3... ou 5, je m'en rappelle plus. Voilà, j'ai tout fini. Allez, c'est parti. On va faire les graines maintenant. Les graines 6, 7, 7. Allez, c'est parti. Go et go. Très joli. Oh là là, qu'est-ce que c'est lent, les amis. Qu'est-ce que c'est lent. Le temps presse et lui il prend tout son temps. Non mais. On dirait des graines de sésame, lol. Je sais pas si je vais couper cette partie, les amis. Ou est-ce que ça reste. Un moment de détente de voir le paysan travailler comme ça. Je vais peut-être laisser et vous me direz en commentaire si c'est bien de laisser
toutes les actions de ce genre-là. Si vous préférez ou si vous préférez zapper. Moi, pour ma part, j'aime bien. Hein, tout ce qui est construction comme ça, j'aime bien. Bon, à part le farming de couper le bois, ça, c'est vraiment très, très chiant. Parce que 5-6 coups pour un arbre... D'ailleurs, j'ai amélioré mes compétences. Je ne comprends pas pourquoi. Ce n'est pas encore réduit à 3-4 coups. Je suis toujours à 6 coups. Allez, plus vite. J'ai fini ou pas, là? On dirait que c'est la dernière nuit, déjà. Vous voyez, 30 jours, c'est comme si c'était... C'est comme si c'était 5-6 jours. Je suis dégoûté. Combien de graines il me reste, là? Je ne sais même pas dire. Allez. Encore un peu. Je sais pas quelle heure il est. C'est long, hein? Moi qui croyais que c'est fini. Ah, c'est presque fini. Dernier tour. Oh là 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 là, mon Dieu. Ah, ça y est, c'est fini. Ça, c'est cool. Allons-y. Allez, dernière graine. On est normalement. Voilà. Est-ce qu'il m'en reste des graines de choux? Logiquement, non. Alors. Graines de choux. Il en reste deux. Donc, j'ai manqué deux cases. C'est là. Heureusement, j'ai regardé. Vous voyez? Voilà. Ça y est. Bon. Bah, même si on se précipite, on va pas y arriver pour les autres champs. Parce que ça va... la nuit va bientôt passer. Normalement, passer à minuit dans 4 heures. Je vais faire un petit champ, tiens. Je sais pas si j'y arriverai. On va essayer de faire un petit. C'est vraiment, vraiment tordu, les terrains. Ça me gonfle. C'est vraiment pas joli à voir du tout. Allez, 2, 3, 4, 5, 5, 2, 3, 4 et 5. Allez, va pour 5. Va pour 5. On ne sait pas ce que ça va donner, mais le temps presse. On ne va pas chipoter. Je veux mes deux champs. Au moins, je veux mon champ de lin. Attends, je vérifie quand même pour voir si c'est réellement 5. J'ai pas fait d'erreur. 1, 2, 3, 4, 5. 5 x 5, 25. Parfait. Allez. Si seulement tu pouvais aller un peu plus vite, s'il te plaît. Ah tiens, on regarde si dans les compétences, on peut aller un peu plus vite. Alors ça, là, tu m'intéresses pas. Et là, tu m'intéresses pas non plus. Qu'est-ce que c'est ça? Expérience acquise, activité agricole. Allez, va pour ça, c'est pas grave. S'il te plaît, plus vite. Plus vite. Comment ça? Et comment ça? Ok. Ok. Bon, finalement, sur 5, ça va beaucoup plus vite, hein. Par contre, je sais pas si je vais perdre mon argent et mon investissement, le fait que je cultive, je jette l'engrais et tout. Et finalement, on passe à une autre saison. Je me demande si je perds de l'argent ou si c'est à remettre pour la saison d'après. Là, c'est vraiment, vraiment limite quand même. Là, on va devoir passer à l'autre saison. Là, ça craint. Sérieusement. J'ose pas, là. Il est quelle heure? Il est 21h. Là, si je jette l'engrais, là, ça va me coûter, hein. Est-ce que je peux tenter le coup? Allez, on tente le coup. On a beaucoup d'argent. C'est pas grave. 7. Engrais. Allez, c'est parti. C'est beaucoup quand même, 25. Hein. Sinon, je vais m'arrêter là comme ça.
Oh là là, c'est lent, les amis. J'ai envie de pleurer, sérieux. Mais allez, quoi. Je sais pas quelle heure il est. Faut pas qu'il sorte 23h. Oh là là, 21h30. Ouais, bon. Je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Franchement, j'ai pas l'impression que je vais pouvoir y arriver, hein. Mais pourquoi ces gestes sont lents comme ça, là? Je sais pas, moi. Dis-toi que c'est pressé, c'est urgent. Fais quelque chose. Ah, on dirait que c'est la fin. C'est la fin. Allez, c'est parti. On envoie. 7. Non, 7 graines de je sais pas quoi. Est-ce que l'automne, l'été, c'est pas bon? Le lin, l'été, c'est pas bon? Merde, j'ai fait ça pour rien. L'automne. Ah, printemps. J'en ai. Oh, graines de betterave. Allez, c'est parti. Allez. Oh non, c'est pas vrai. C'est pas possible. Allez. Waouh. Comment ça non labouré? Il y a pas un peu de lune pour moi là? Dans le noir, évidemment. Même pas de lune. Elle est où la lune? Oh. On peut y arriver, on peut y arriver. Je pense qu'on peut y arriver. Allez! Voilà. 7, allez, c'est parti, on envoie. Graines de betterave, allez, c'est parti. Voilà, est-ce que je suis bien là? Ouais, je suis bien. Allez. Je sais pas quelle heure il est, j'ose même pas regarder l'heure. On regarde l'heure quand même. 22h40, ça c'est cool par contre. Il reste encore une heure. Allez. Comment un jeu comme ça peut stresser? C'est pas vrai ça. Ah, j'aurais pas dû ramasser trop de. Je pensais pas, hein. J'aurais pas dû ramasser trop de. De paille dans la journée. Qui aurait cru que le temps passe aussi vite? On peut y arriver ou pas? Ne me dites pas qu'il est 23h. Ouais, il est 23h. Ça peut le faire, ça peut le faire. Bon bah finalement j'ai pas raté ma saison. J'ai deux produits de plantation pour le printemps et deux pour l'été. C'est parfait, hein. Donc là, vous avez vu, hein, j'ai pas besoin de construire de maison et je peux déjà gagner de l'argent. C'est pas beau ça, hein? Ça, c'est un bel investissement, sérieux. Donc, je vais faire exprès de me salir en faisant un autre champ à l'avance, histoire de d'avoir mon petit succès là. C'est bien, je suis content. J'ai deux champs. Ah, c'est obligé, on va passer à l'autre nuit. Ah mince, si on passe à l'autre saison, je vais être tout propre. Et ouais, Et en plus de ça, l'énergie, la bouffe, tout va être remonté. Ah, c'est trop dommage. Bon. Piège à lapin. Tiens, on va aller voir le piège à lapin. Normalement, il y a quelque chose dedans. Eh ouais, il y a quelque chose dedans, regardez.
Voilà, un petit lapinou. Il est mignon. Voilà, ok. Voilà, quelques morceaux de viande supplémentaires. Donc, on va faire encore un autre chant, hein. C'est vraiment pas droit, pas joli du tout. Allez, encore un petit chant de 25 pour préparer la saison. Et voilà, c'est fini. On va faire ici. Attends. Oh non, c'est pas vrai. Et là, voilà, je vous l'avais dit, hein. Et voilà. Qu'est-ce qu'il raconte? J'ai pas pu lire. Ah, on dirait que je n'ai plus le droit de revenir là-bas. On peut faire le test si vous voulez. Là, méchant ont poussé là. Je sais pas si je peux récolter déjà. Non, on peut déjà collecter, lol. Eh ben, on va collecter alors, comme ça va gagner du temps. Ou pas, j'en sais rien. Si, je vais collecter. Je vais garder avec moi. Alors, regardez bien les amis en haut à gauche. Je viens de récolter deux fois. J'ai déjà 5 graines de chou. Donc, on va gagner vachement du temps et de l'argent. Voilà, j'ai beaucoup de chou déjà. C'est extraordinaire, hein. Ah oui, j'ai oublié. Voilà, chaque geste que je suis en train de faire là, et ben là, ça augmente considérablement. Pour le bâtiment de nourriture, on en est à 115. On va finir le champ, vous allez voir. C'est génial, c'est tout simplement génial. C'est vraiment très détente, très très joli à voir. Mince, j'aurais peut-être dû... j'ai même pas fait une maison. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ça fait quand même beaucoup d'argent. Je pense que ça fait beaucoup d'argent, hein. 248? Ah ouais, quand même. 248, vous imaginez là si je fais des plats, nombre de plats et tout? Dommage qu'il n'y a pas de frigo pour conserver tout ça. Ah, sans compter les betteraves à côté. Hey, pourquoi je tourne en rond comme ça? Qu'est-ce que j'ai pas oublié là? Ok, le champ de chou est fait. On va passer au champ de betterave. Est-ce que je peux récolter? Ah non, c'est dans l'autre saison. Bon, bah voilà, c'est pas mal. Donc, on va vérifier pour voir si on a le droit de dormir dans le lit là-bas. Sinon, on va construire les maisons, hein. Ils sont là, ils nous attendent pour qu'on les recrute. Ça y est, je suis tout propre, malheureusement. En fait. Pour se salir, il aurait fallu faire du début de saison. Et c'est ce que je vais faire cette fois-ci. Alors, elle est où ma maison? Elle est où ma maison? Elle est là. Ah, j'ai oublié de dire bonjour à Monsieur Miro. Je sais plus comment il s'appelle. Ah, si, je peux encore utiliser. Ok, c'est cool. Le lit aussi, je peux dormir. Bon, bah voilà, je prends mon temps. Par contre, est-ce que je vends tout? Parce que sinon, ils vont tirer la gueule, hein. Alors, on va augmenter les compétences de... De quoi? 25% de récolte. Oh là là, j'aurais dû augmenter avant de récolter. Oh là là, imaginez-vous, 25% de plus, 50% de plus, j'aurais dû augmenter avant de récolter. Vous vous rendez pas compte de tout ce que j'ai perdu là? C'est fou ça. Oh là 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 là. Bah tant pis, hein. Bon, comment je peux cuisiner là? Ah mince, il faut de la viande. Oh! Est-ce que j'ai... Oh, j'ai tout vendu la viande. Faut que j'aille en chasser.
Non, c'est pas la viande salée que je veux, la viande comme ça là. Oh, deux choux pour un potage. Aïe aïe aïe. Et ça, c'est quoi? Soupe aux légumes, il faut de la betterave en plus. Des champignons. Ah ouais, c'était ça alors. Ok, bah on n'a pas le choix, les amis. On va le faire, hein. Je vais le prendre. Voilà. La soupe aux betteraves, je vais la prendre aussi, puisque dans pas longtemps, on va la voir. La soupe aux carottes, on va la voir aussi. Ah, va falloir chasser, les amis, là. Hein. Va falloir chasser, hein. Les carottes, bah, ce sera pour un peu plus tard. On va pas le faire tout de suite. Du coup, combien de plats je peux faire, là? Soupe. Ah ouais, il faut des bols en plus. Ah ouais. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ok. Bon, bah, va falloir construire le village, là. On peut plus se permettre. Non! Ah, il y a, il y a. Tiens. Ok, c'est parti, on va construire. Là, je vais vous montrer. Oh, zut. Je vais vous montrer l'intérêt de construire à cet endroit. C'est vraiment très pratique. C'est pas forcément esthétique, mais c'est extrêmement pratique. On gagne beaucoup, beaucoup de temps. On va commencer par ma maison. Je pense qu'une fois que j'aurai construit ma maison, c'est terminé. Je peux plus revenir là-bas. Ah, j'ai oublié de regarder si je pouvais. J'ai oublié de regarder si je pouvais me servir dans son champ. Si j'ai le droit d'utiliser les choux qu'il a dans son jardin. Si je peux, ben pourquoi pas, je vais gratter, hein. C'est quoi ça? Ah, j'ai pas le droit. Ah, dommage. Ah, dommage. Bon, allez, c'est parti, on va construire. Ah, j'ai vendu tous les bols en plus, donc là, si on fabrique pas, si on farme pas, il n'y aura pas du tout de bois pour faire les bols. Donc là, on va faire juste un bâtiment de stockage. Je vais devoir tout faire moi-même, ça va être compliqué. Un bâtiment de stockage, deux, trois maisons. Je pense que ça va être deux maisons. La troisième, on va pas pouvoir tout de suite. Nous y voilà. Alors, donc le champ il est tordu. Et ben on va faire la maison aussi tordue, hein. On va la faire ici. On va la faire ici. C'est vraiment très moche, mais j'ai pas le choix, hein. Allez, c'est parti. Alors, un petit marteau, si j'en ai pas. Un seul, ok. Ah ouais, ça va faire finir vite fait, ça. Alors. Boum. 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 N'est-ce pas mieux comme ça, franchement? Franchement, ça là, c'est une révolution dans ce jeu. Parce que taper 36 000 fois pour faire un mur, ça va pas le faire du tout. Voilà. Ma maison est terminée. Ah, peut-être pas dû la faire, j'aurais peut-être dû économiser. Ah là 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 là. Bon, ben allez, c'est parti. Bâtiment de stockage de nourriture. C'est pas beau, hein. C'est pas beau de tout coller comme ça là. C'est vraiment pas beau du tout.
Le marteau, il va bientôt tomber en ruine. Ok, ok. Ok, ok. Même la construction, je trouve que c'est long. Il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème. Ok. Bâtiment de nourriture fait. Maintenant, on fait une petite maisonnette pour eux. Comment on va la poser? La petite maisonnette pour eux, je pense que je vais la poser. Tiens, est-ce qu'il y a de la place pour un truc de ressources là? Entrepôt. Oh yes! Oh, il y a de la place, j'y crois pas. J'y crois pas du tout. Oh là là, mon dieu. Attends, je vais me mettre bien droit. Oh, ça, c'est pratique, hein. Voilà. Allez, je recule encore au maximum. Comme ça, ça me permet d'avoir un puits au milieu. Voilà. Est-ce que je vais pouvoir finir? J'ai même pas assez de bois, je pense. Ouais, j'ai pas assez. J'ai pas du tout assez pour construire une maison pour pouvoir les recruter. Donc ça va prendre énormément de temps. Il va falloir encore aller farmer tout seul dans la forêt. Et ça y est, j'ai plus rien. Bon, bah voilà, hein. Bah très sincèrement, les amis, hein, là, je vais devoir couper, hein, parce que c'est vraiment très très long, le farming de bois et de paille. Donc, je vais couper tout simplement la vidéo ici et je vais farmer à fond pendant un jour ou deux. Et je vais aussi me laisser salir le corps. Et puis... Et puis voilà, on fera ça plus tard. Est-ce que je peux poser un puits ici aussi à l'avance? Ah ouais, ça fait quand même beaucoup à faire, hein. Le puits, je peux le poser là, ça fait joli ou pas? Ça fait mignon. Il est un peu imposant, mais c'est mignon. Attendez, je recule un peu. Ouais, ça va le faire. Je sais pas pourquoi je veux le poser là. Je vais réfléchir. Allez, les amis, je coupe la vidéo ici et on se reverra quand j'aurai un blindé, un maximum de bois. Bisous à tous. Ciao, ciao, bye, bye.